Et on se retrouve pour une nouvelle summon action. Et ce sera une summon session. On va voir ce qu'on peut avoir. On va commencer tout de suite, on va pas tarder. Est-ce qu'il y aura assez de place? Ouais, je pense. Bon, allez, go. Bon, ça commence mal à faire de tête. Bon, je pense qu'il faut Randy, sinon rien. Quoi? Bon, ça commence assez vite. On a quoi? Un étoile natif. Vampire haut. Bon. Il a déjà un coup, donc au pire, il a un coup dessus. Parce qu'on est sur le compte d'un ami, Kiriro, mais non, moi c'est Kirito, mais bref. Hein. Voilà, voyez, le petit vampire. Oh, dommage. S'il avait vu Girl de Heil, il aurait été vraiment bien. Je vais un petit peu d'exemple, moi quand même. Voilà, on repart. Kali, elle est quand même pas mal, mais il l'a déjà, donc au pire il va foutre dessus. Bon, Taos, il l'a déjà réveillé, il va foutre dessus. Ah, 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 qu'est-ce qu'on a? Couple feu, Zibrolta. Je ne sais pas trop, mais c'est un peu, c'est l'un des deux couple bombeurs qui ne pose pas de bombe. La merde. Donc, bon, je sais pas. Ah, du multi, il attaque les ennemis 3 fois. Les effets. Enlève les effets d'enforcement. Bon. Je crois que son troisième sort, c'est. Il lance aléatoirement, je crois, plusieurs bombes qui mettent des dégâts continus. Bon, bref. Griffon, apparemment, c'est occasionnel qu'il faut le monter. Bon, je sais pas trop. Vous êtes à haut level. Golem, bon, au pire, ce sera pour Susano. Fusion Susanoo. Salamander, c'est pour une fusion aussi, me semble. Ah, ah, ah. Est-ce que c'est Kamisama Succube Feu, qui l'avait sur son ancien compte, hein, qui voulait récupérer en plus. Donc bon, je suppose qu'il va être content. Ah, des what? Mais what? Non mais attends, pas se foutre de ma gueule. On peut donner au stand feu. Ah ouais, rien que ça. Apparemment il est vraiment pas mal avec son passif. Plus, moins il a de PV, moins il prend de dégâts et plus il en fait. Non mais voilà. Un petit peu de deck pour moi, mais content pour lui, content pour lui. Et donc il a un boost avec une attaque de base et un second boost critique qui fait des dégâts ensuite instantanément. Ok, ouais, franchement pas mal. Là, il y avait plus de 4 étoiles natives que moi, sur une session, quasiment. Putain. La crise pour moi. Allez, on continue. Toujours rien. Frankenstein. Le nouveau mob qui sort il y a pas longtemps. Le feu. Donc... Bon. Ouais, c'est qu'il est top, mais bon. Pas top, je pense. Je vois qu'il se stun. Donc, après, s'il est sous immunité. Yoman Van, je sais pas si ça a une fusion. Si le Frankenstein est sous immunité, ça fait qu'il est pas stun par son deuxième sort, donc c'est plutôt pas mal. Les 3 étoiles ne veulent plus se montrer, les 4 étoiles ne veulent plus se montrer, c'est un petit peu la crise là. Allez, on est sur 4 vélins. Ah putain. Si c'est. What? Un samouraï? Non mais. Vas-y quoi. Quoi c'est Kaz? Kaz, ouais, samouraï pour Kaz. C'est rapidement l'épée pour attaquer les deux fois. 50% de chance dans des 50% de sa barre d'attaque. Putain. Ouais. De base. Il y a 50% de chance de break dev. En deux coups, c'est pas mal. Si tu break dev, c'est bon. Le samouraï c'est bien, après je crois que c'est Kaito, le samouraï Wind devant, qui est le meilleur je crois. C'est bon, c'est quand même pas mal d'avoir un samouraï tout court, donc il va pas se plaindre, franchement. Oh le PD, vas-y quoi, moi j'ai fait de la merde, il chope un samouraï tranquille. Après bon, j'ai mes couples donc bon bah les couilles. Enfin j'ai mon couple Taurus, je me bats les couilles, mais un peu déçu pour moi. Mais on est content pour lui.
Les quatrièmes sorties qui est un bouclier ou non, vulnérabilité, quoi que ce soit. Il s'en bat les couilles, il traverse, voilà, c'est un petit peu insane. Mais. Bon, sorcière, oh, il a déjà. Sorcière qu'il faut monter pour la reine surtout. Comme les arbres, bon, c'est pas le steak. On va aller sur du vilain d'eau. On fait de la merde, faucheuse. Ou Emos qui sert pour une fusion. On dit. Non, oui. Ok, bon, c'est vide. Dernier vilain d'eau. Pas d'éclair, dommage. Après qui sait que les éclairs seront réservés serpent ou non serpent. Coup de vision, je veux dire. Allez, bon, il veut la Valkyrie Vanessa, je crois. Sinon, ouais, Vanessa, la Valkyrie Feu. Qui sait si Laura. Ou Pio Chloé, ouais. Ou ouais, l'assassin vent. Franchement, pas mal. Orochi, bon, aussi, apparemment, c'est un must niveau. Giant Beaten, mais bon, on n'est pas là de toute façon, donc bon. Là encore, je suis pas pour être bien. Mais en priorité, Vanessa, on va avec deuxième. Bon, ça va, ça lui servira pour faire l'évocation Jojo, donc c'est pas non plus hyper dégueu. Bon, mais Light and Dark. Allez, let's go. Pas d'éclair, putain, dommage. J'aurais été dégoûté, mais je suis déçu quand même qu'il n'y ait pas d'éclair. Le Frankenstein Light. Bon. Attaquer une 4 fois, il est gars. Pour soigner la défense. C'est le PV, là. C'est pas l'ennemi. Un foyer retient. Aussi, ce que j'ai fait, machin. Tu peux donner 2 plus supplémentaires. Donc en gros, si t'as plus de PV, quoi de temps? Inférieur, tiens, ouais, ça, si t'as plus de PV ou que l'ennemi est sous effet, tu donnes 2 coups de plus. Sinon après, c'est comme le Frankenstein feu, donc bon. C'est bon, après il peut être intéressant, faut voir. Voir les dégâts que ça fait en fait. De toute façon, ça scale sur la défense, donc ça paraît pas mal tanky. Tu fais des dégâts aussi, mais il est break def. Il est def, ça c'est sûr. Ouais, c'est quoi ouais, qui. Tu vois, ouais, tous les ennemis, ils enlèvent 30% de leur jauge d'attaque. Ouais, ça va, il est pas dégueulasse. Bon. 4 tours. Ouais. L'attractionne. Bon, on n'a plus rien, oui, non. Bon, je pense qu'on va aller tester tout ça. Ouais. Alors, Trahison. J'aime bien faire tester mes Bob là, les nouveaux que j'ai eu ici. Avec Shimitsai. Et l'autre, bon, j'ai oublié son nom. C'est Akashi, c'est un gros dans le genre. On va mettre le couple, la succube, il y a qui d'autre, le néostone. On a un petit qui doit encore. Ah ben tiens, le samouraï. Je l'aime pas. Ouais. Pour le vampire, il avait déjà. On a juste par-dessus. On va y aller. On va voir ce que ça donne. On se fait un petit avis rapide après. C'est. On se fait un vrai avis quand ils sont ruinés, mais bon. What? Ah ouais, il y va, hein. Ah ouais. Ah, il y va, putain. Pas de plus
tout cas, l'ingénieur sonne feu, il va franchement casser des culs. Bon, après, il a pas fait de culs, dommage, mais. Il fait mal des gars quand même, je trouve. Allez, fais donc tomber, on gagne l'incendie. Bon, ça va. Ça attaque tout le monde, ça fait le même nombre de hits tout le monde. La boost d'eau, the boost. 5% de dégâts, on va essayer de faire l'âme du suprême, quand on voit, on va l'activer, voilà. Nickel, un petit bouclier, tout ça me casse les pieds avec. Ok, bon, on va voir ce que ça fait. Double boost contre bouclier. Bon, dommage. S'il n'y a pas le bouclier, on aurait pu voir vraiment les dégâts. Là. Ok, ça part sur un sommeil. Oh putain, comme c'est beau, putain. Et bon, ils sont pas winnés donc. Ils devraient faire d'autres persos comme les samouraïs. Au moins deux ou trois. Non, peut-être deux ou une seule personne différente. 5 étoiles natives. Je pense qu'un perso avec 4 sorts comme ça, c'est le samouraï, c'est le feu. 5 étoiles natives. Et il a déjà récupéré. Ah ouais, je pensais que si tu avais un cooldown en fait. C'est tu proques, tu l'as à l'infini, mais tu l'utilises à l'infini. Un petit peu fort quand même. Ouais. Franchement, ça va. Mais on n'est pas déçu pour lui quand même. Il a eu pas mal de bonnes choses, même s'il a pas eu 5 étoiles natives, mais bon. Hein, le petit samouraï, quasiment, c'est pas c'est pas belle déjà. Bon, Kaito, c'est pas Kaito, mais voilà, c'est un samouraï, il y a une Eostone feu qui apparemment est plutôt bon. Et là, il n'y a pas grand chose. Je l'ai battu d'une autre façon, même s'il y avait un bébé, quoi que ce soit, on n'aurait pas pu l'acheter. Ah, celle-là était pas, elle est pas mal cette rune, franchement. Si j'avais de l'argent, moi je l'aurais acheté. Et à ta course. Bon ben on va se quitter sur cette note et puis Matashita.